Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le code secret du téléphone Samsung. Bien que beaucoup de gens ignorent l'existence de ces codes, les connaître, ça vous permettra de mieux maîtriser votre smartphone et surtout lorsqu'on achète ou on vend un téléphone d'occasion. Donc, ces codes, c'est des caractères alphanumériques qui sont utilisés uniquement sur les appareils Samsung et vous permettre de savoir ou de connaître l'état actuel de votre téléphone, quel que soit sur le niveau matériel ou au niveau du programme. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la première série de ces codes, et c'est la plus importante aussi pour quelqu'un qui veut connaître plus dans le domaine. Code numéro 1. Je tape étoile dièse 06 dièse pour connaître l'identifiant de mon téléphone. Alors, vous allez sur le clavier numérique de votre téléphone et vous tapez ce code. Ça vous permettra de connaître l'identifiant de votre téléphone. En fait, c'est comme l'adresse IP sur un ordinateur. C'est presque la même signification. Code numéro 2. Je tape étoile dièse 0011 dièse pour connaître les informations GSM basiques de mon téléphone. Alors, sur le clavier, vous tapez étoile dièse 0011 et validez par dièse. Ça vous permettra de connaître l'état de votre réseau GSM et de vérifier ces paramètres. Passons au code numéro 3. On tape étoile dièse 0 étoile dièse. Et c'est un code important parce qu'il nous permet de connaître l'état du matériel de notre appareil. Donc sur le clavier numérique, on tape étoile dièse 0 étoile dièse. Et on a cet écran-là qui nous permet de vérifier l'état d'écran, l'état de vibration, du speaker et du Bluetooth. Donc c'est un code important parce qu'il nous permet de connaître beaucoup de fonctions sur notre appareil. La quatrième place, je la réserve pour ce code, étoile dièse 0228 dièse, et c'est un code pour afficher les statistiques de batterie de téléphone. Donc, en cas de défaillance de batterie de votre téléphone, par exemple, vous pouvez vérifier cela avec ce code. Voilà. Pour le code numéro 5, je fais étoile dièse 1, 2, 3, 4 dièse. Et c'est un code important aussi puisqu'il nous permet de connaître le firmware du téléphone, c'est-à-dire le programme qui gère notre appareil. Et pour des opérations comme le flash ou le route, connaître le firmware exact de notre téléphone nous évite de tomber dans un dysfonctionnement de l'appareil. Pour le renvoi d'appel, je tape étoile dièse 21 dièse. Alors, pour savoir si j'ai un renvoi d'appel sur mon appareil, je tape ce code-là. Et en cas d'existence de ce renvoi d'appel, je peux le savoir, ou bien je peux savoir le numéro à qui le renvoi d'appel en tapant étoile dièse 62 dièse. Le code numéro 7 concerne les contacts. Alors, si vous connaissez l'emplacement d'un contact sur le répertoire de votre téléphone, comme ici le 8 dans mon exemple, alors ne perdez pas beaucoup de temps pour l'inviter. Tapez 8 et validez avec dièse et vous aurez directement votre contact. Voilà tout. Notre tutoriel arrive à sa fin. Merci de votre visite et à la prochaine vidéo.